J'arrive à vous avec une nouvelle vidéo, une petite vidéo démo 4 paroles pour pouvoir vous encourager, mais aussi vous expliquer une chose qui m'est arrivée dernièrement et qui honnêtement m'a embêtée, puisque je me rends compte que parfois dans notre société, la critique est devenue tellement facile que les gens parfois ne se rendent pas compte qu'ils peuvent porter atteinte aux rêves ou aux ambitions des jeunes qui ont envie de faire quelque chose de leur vie. Donc je vous donne le contexte. Je suis allée à une réunion dernièrement autour du projet Guadeloupéenne Société dans ma commune. Donc j'y suis allée, j'étais la seule jeune qui était présente. Donc j'ai eu envie de faire, de faire ressortir un peu la voix de la jeunesse autour de cette thématique, où assez souvent ce sont des personnes d'âge mûr qui y vont. Bref. Donc j'y suis allée, je me suis présentée, et à la fin de la réunion, il y a une des femmes qui était présente qui m'a abordée et qui me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc je lui explique que je suis une jeune entrepreneur, que je me suis lancée dans un certain secteur d'activité et que ça fait pas très longtemps. Et elle n'a même pas pris le temps de savoir exactement ce dans quoi je travaillais, qu'elle m'a dit... elle m'a arrêtée dans ce que je disais presque, où elle me dit « Ah oui, mais vous êtes déjà tellement nombreux à faire ça, etc. etc. » À la limite, comme si ce que je faisais ne servait pas à grand-chose. Parce qu'elle m'a vraiment pris de haut et comme si à la limite, je n'étais pas grand-chose, quoi. Et je sais que parfois... dans la vie, il y a certaines personnes qui vont venir et qui vont nous faire des critiques qui sont très peu constructives, qui ne servent pas vraiment à grand chose, puisque ce que j'ai eu à cœur de répondre à cette dame, c'est que il faut savoir qu'il y a beaucoup de cerveaux qui sont bien remplis, beaucoup de têtes qui sont bien pleines en Guadeloupe, mais c'est également le cas en Martinique, en Guyane, qu'importe l'endroit où on est, et que parfois, il faut avoir des réactions comme les siennes, mais qu'il y a une fuite de cerveau, et que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre pourquoi certains d'entre nous qui ont un master, voire deux masters, qui peuvent partir pour aller en Chine ou au Nicaragua ou qu'importe, à un endroit où ils seront respectés pour ce qu'ils ont pu obtenir. Et par rapport à cela, c'est vrai qu'à un moment j'ai douté, je me suis demandé est-ce que ce que je faisais était utile ou autre, mais je me suis dit que je n'étais pas la seule dans ce cas-là à avoir des rêves, à avoir des aspirations, et où parfois c'est difficile de pouvoir faire ses premiers pas dans la chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est de rester encouragé, quoi, de garder la foi sur ce que vous voulez faire, puisque si vous avez une ambition, si vous avez quelque chose que vous voulez faire, n'hésitez surtout pas, allez-y. C'est quand on est jeune qu'on peut essayer, et puis on reste jeune tout, comment dirais-je, tant qu'on n'a pas de regrets, tant qu'on n'a pas de barrières dans nos têtes, on reste jeune, quoi. Puisque je connais beaucoup de personnes qui, par exemple, ont la vingtaine, mais qui sont, entre guillemets, vieilles dans leur tête, tout simplement parce qu'elles n'osent pas et qu'elles se disent tout simplement que la vie est finie pour elles. Et la vie n'est pas finie pour nous. C'est vrai que quand elle m'a dit ça, honnêtement, j'en ai presque pleuré quand je suis rentrée chez moi, parce que je fais beaucoup d'efforts pour pouvoir être la personne que je suis là maintenant. Et avoir des critiques négatives quand parfois on n'en a vraiment pas besoin, quand parfois on ne voit pas où est-ce que le soleil pourra venir, d'où est-ce que le soleil pourra venir, ça fait mal. Mais je veux vous dire en tout cas de rester encouragé et que vous avez quelque chose à apporter à la société. Tout autant que vous êtes, vous avez quelque chose à apporter à la société. Ok? Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous de gros gros beaux siwo. En love, zot en love, zot en love, zot en love. Et en cas de zot, à dans vita.